Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Mâcon Village, cuvée Clos de la Bressande, millésime 2012, du domaine Sangouard-Guyot. Ce domaine est tenu aujourd'hui par Pierre-Emmanuel et Catherine Sangouard-Guyot. Ils sont situés à Vergisson, en Bourgogne, et ils possèdent une surface cultivée de 12 hectares. Alors, c'est un couple de vignerons qui sont tous deux issus de familles vigneronnes, elles aussi. Donc aujourd'hui, ils essaient d'adapter et de pérenniser le travail de leurs aïeux en mettant en pratique des méthodes en parfaite osmose avec la nature. Notamment, ils travaillent leurs vignes manuellement afin de préserver encore plus l'environnement. Ils font des traitements raisonnés et vraiment minimalistes puisqu'ils sont effectués 7 par 7. Toutes leurs parcelles sont labourées. Les vignes sont rognées le plus haut possible et très près des grappes pour favoriser la photosynthèse et avoir des raisins aérés et gorgés de soleil. La cueillette du raisin, elle, est effectuée manuellement à maturité optimale. Le pressurage, lui, se fait lentement et modérément afin d'extraire le meilleur de la grappe. Et les vins partent directement en fermentation dans des fûts ou des cuves thermorégulées juste après avoir subi un léger débourbage. Voilà. Donc ce sont des vins qui sont élevés sur lit pendant 10 mois avec des bâtonnages hebdomadaires afin d'apporter une certaine rondeur et une certaine opulence à leur vin. Alors on va regarder cette bouteille de plus près. Vous voyez, c'est une bouteille qui est ronde, gourmande, qui est super agréable à regarder, qui donne vraiment envie. Au niveau de la capsule, on retrouve le nom du domaine, voilà, avec des couleurs un peu dorées. Domaine, oui, Sangouard-Guyot. Alors, on retrouve une petite médaille, je vous en parlerai tout à l'heure. Et une étiquette assez terroir et traditionnelle, qui représente bien l'appellation. Au niveau de la contre-étiquette, c'est très bien fait car c'est un peu des points clés, le domaine, le terroir, la vinification, voilà, les cépages, le temps de garde, comment le servir, avec quoi accompagner ce vin. Et on trouve que c'est un vin à 13 degrés. Voilà. Alors, ce vin, c'est un vin qui est très frais, qui est gouléant. Au niveau des arômes, on retrouve des notes de fleurs blanches et de fruits comme la pêche de vigne. C'est un vin plaisir en fait. C'est un vin qu'il faut déguster jeune, jusqu'à 3 ans, afin d'apprécier tout ce qui est son côté fraîcheur et fruité typique de son appellation. C'est un vin qu'il faut servir à 12 degrés. Alors le Mâcon Village, ça s'accorde avec par exemple un apéritif, des hors-d'œuvre, tout ce qui est charcuterie, viande blanche et puis aussi poisson grillé, pardon. Alors au niveau des cépages, c'est un 100% chardonnay. Les vignes ont une vingtaine d'années et la vendange est manuelle. Au niveau des récompenses, comme on peut le voir sur la bouteille, une petite récompense, c'est un vin qui a été distingué par le comité de sélection de Saint-Vincent en 2013. Alors, ce ne sont pas les seules récompenses puisqu'il a obtenu ce vin, la note de 86 sur 100 au Wine Enthusiast Magazine en 2013. Il a été noté comme premier grand vin classé au Gerbert du Cerf 2014 et il a reçu la note de 89 sur 100 au Gilbert et Gaillard 2015. D'ailleurs, je peux vous lire le petit commentaire de dégustation du Gilbert et Gaillard qui est « nez net et friand » dont on apprécie le caractère floral et fruité typique du cépage. On retrouve ces arômes dans une bouche alerte, fraîche et persistante. Une cuvée plaisir à apprécier sur poisson ou viande blanche. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné envie de déguster ce vin et de découvrir ce domaine. Si vous êtes professionnel et que vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez nos vidéos, partagez et je vous dis à bientôt !